un autre développement majeur dans le dossier de la fuite de données chez Desjardins. On va tout de suite avec Yves d'abord et Denis Thériault ensuite. Yves, les trois individus arrêtés hier par la police, on va aller plutôt à Denis tout de suite. Donc, alors, Denis, donc, les trois individus qui ont été arrêtés dans cette affaire hier par la police sont comparus ce matin. Yves va nous parler de ça dans un instant. Denis, d'abord, donc, la Sûreté du Québec, elle vient d'annoncer qu'elle avait arrêté le principal suspect dans cette affaire. On parle de Sébastien Boulanger-Dorval. Oui, Michel, et pas juste Boulanger-Dorval, d'autres arrestations et des personnes recherchées. Je pense qu'on va être en mesure de montrer tout de suite deux des suspects qui sont recherchés dans cette affaire, des avis de recherche qui viennent d'être lancés par la Sûreté du Québec. Si on ne l'a pas pour l'instant, ça va apparaître très, très prochainement. On parle de Charles Bernier et de Mathieu Jonca. Dans le cas de Jonca, c'est un courtier de la région de Québec. Et Michel, je dois te dire qu'on avait fait enquête, justement, à l'émission GIE avec mon collègue Félix Séguin, sur ce qui s'était passé, l'origine de tout ça. Pour ce qui est de Sébastien Boulanger-Dorval, mon collègue Félix Séguin l'avait rencontré, c'est ce qu'on voit actuellement. Il était chez eux. Ce dernier, d'ailleurs, on va rappeler là, des informations qu'on avait dévoilées à l'époque. Oui, la sortie des données, c'est assez impressionnant. On parle de données de 9,7 millions de membres de Desjardins qui ont été sortis du système. Et on parle de 7 millions de clients québécois. Et pour tout ça, ces données-là, il n'y a eu que quelques cartes d'achat, quelques cartes cadeaux, des sommes d'argent qu'on pourrait qualifier d'insignifiantes par rapport à ce que d'autres ont fait en termes de profit avec ces données. Là. Alors, pour ce qui est des personnes qui ont été arrêtées ce matin, on le voit, Boulanger-Dorval, il est entre les mains de la Sûreté du Québec. Jean Loumas, Lelier, hein, c'est un proche de Boulanger-Dorval. Et les deux en avaient parlé avant de sortir les données. Ce dernier est un prêteur privé, il a été arrêté. François Bayer, Jean Bouchard, un courtier de la région de Québec, arrêté. Et Laurence Bernier, relié à l'entreprise de prêt privé, a été arrêté également. Ce qu'il faut dire, Michel, dans tout ça, c'est que la Sûreté du Québec dit, oui, on a fait des arrestations, c'est une étape importante, mais les gens qui ont eu les volets de données doivent rester, les personnes doivent rester vigilantes. Bien, on a 9,7 millions de noms et d'entreprises qui étaient sur les listes. Maintenant, ces listes-là sont non sécurisées, c'est ce que je vous ai dit dans le cadre du point de presse. Maintenant, ces noms-là pourraient être utilisés par la suite et c'est important que les gens dont les noms figuraient sur ces listes-là soient extrêmement vigilants. Alors, Michel, on voit actuellement Mathieu Jonca, suspect recherché. Il y a un autre suspect aussi qui est recherché, Charles Bernier. Et rapidement, l'enquête était longue, mais les policiers avaient un travail colossal à accomplir aujourd'hui. C'est une étape importante. Merci beaucoup, Denis. Bon, on poursuit sur le sujet maintenant et on va aller au palais de justice de Laval. Yves, deux des suspects arrêtés dans cette fraude viennent d'ailleurs de comparaître. Vous êtes sur place. Ils, donc, seront remis en liberté. Oui, la Couronne ne s'est pas objectée à leur remise en liberté. Cependant, il faut dire aux téléspectateurs qu'il y a des conditions strictes à respecter. S'ils ne respectent pas ces conditions, mais c'est de la détention préventive, évidemment, qui les attend. Voyez à l'écran les photos des deux suspects qui ont comparu au cours des dernières minutes. Ils s'appellent Ayoub Kourdal et Imad Djbara. Un troisième suspect a été remis en liberté avec mandat visé. Puis il y a un quatrième suspect, Michel, qui est toujours recherché, Nassim Ali Kassem. Hier, la police de Laval, en conférence de presse, nous disait que cette fraude allégué totalisait à peu près 9 millions de dollars. On sait que ces fraudeurs allégués ont pigé carrément dans les comptes bancaires des clients floués de Desjardins en créant des mots de passe temporaires à partir des données qui ont été volées à ses membres. Et ce qui a mis la puce à l'oreille, notamment des policiers et des enquêteurs, Michel, ce sont des plaintes pour fraude, des signalements pour fraude, dont une sur la location de véhicules de luxe et une autre sur un permis de conduire fabriqué de toutes pièces. Je vais faire entendre des réactions de la police et de l'avocat de la Couronne dans ce dossier. Nous, avec le DPCP, considérant le montant énorme de cette fraude-là, considérant que c'est un dossier qui a marqué l'imaginaire du Québec, nous, on vise le maximum de la peine là, possible. Dans le cas de M. Kourdal, il y a un dépôt de 25 000 $ qui va être fait au greffe pour s'assurer, là, évidemment, que ce monsieur se représente à nouveau à la cour. Dans le cas de M. Djbara, qui avait une condition un peu différente, c'est un dépôt de 5 000 $ qui va être fait, évidemment, au greffe. Il y a toutes sortes d'autres conditions, là, notamment l'interdiction d'avoir des documents d'identité, des documents bancaires, des données nominatives. Et on va leur interdire aussi, Michel, de communiquer avec une quarantaine de personnes. On parle de victimes alléguées et de témoins. Cette affaire revient devant le tribunal ici à Laval au mois de septembre prochain. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Yves.